geste de plus, mais avec plus d'impact sur la vie socio-économique et professionnelle des couches démunies. Des machines à coudre à une dizaine de jeunes filles couturières en fin de formation au centre d'entraide aux démunis pour l'apprentissage de la couture. Vraiment, je suis aux anges parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a des grandes personnalités autour de soi. Et pour une action comme celle-ci. Je suis très joyeuse pour ce don que Rotary Club nous a envoyé. Je tiens à dire un grand merci à ce club qu'il continue pour pouvoir nous donner à nos frères dans le jour à venir. Le don vient du Rotary Club Lomé ce 9 septembre, membre du district 9102. Un district qui regroupe le Niger, le Ghana, le Bénin et le Togo. Une action peut-être symbolique, mais très significative vis-à-vis des objectifs 2021-2022 de Rotary International. Cette année particulièrement, avec le thème que nous a donné le président du Rotary International pour l'année 2021-2022, nous travaillons pour servir et changer des vies. Et cela emporte pour nous des actions dans le sens de l'autonomisation des filles en particulier. Et cette action de don de machines à coudre rentre bien dans le cadre de ces actions. Les récipiendaires auront également à bénéficier des formations sur l'entrepreneuriat et l'éducation financière. Loin d'être isolés, il s'agit plutôt d'une action pérenne depuis plus de 5 ans en faveur des apprenants du CEDEC. Créé en 1967, le Rotary Club Lomé intervient également dans plusieurs domaines, entre autres la paix, la prévention et la résolution des conflits, le développement économique et social, l'alphabétisation et l'éducation de base.